Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Petit retour, un an après, être passé chez Soch. Alors souvenez-vous, il y a à peu près un an de ça, je faisais une vidéo. En réalité, c'est un peu plus tard, hein. C'est genre au mois de juin, j'avais fait ça. Et donc on est grosso modo à deux mois près, un an après. Je suis difficile à suivre, mais vous allez voir. Et donc... Eh bien, mon avis sur Soch, un an après, bah, ma foi, c'est très bon. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai pas eu de soucis. Oh, vraiment, zéro. Aucun problème. Je me suis abonné en juin dernier, en 2017, sur un forfait. C'est le forfait de 40 gigas qui était à 24,99€. Mais à ce moment-là, il y avait une promo, donc il était passé à 9,99€. SMS, MMS illimité, 40 gigas de data, appel illimité aussi. Donc il devait être à 24,99€. Mais il y avait une réduction avec les codes promo Soch là. Et du coup, je l'ai depuis à 9,99€. Mais même en ayant une réduc comme ça, moins 15€ tous les mois, ce qui fait réellement plaisir. Et bien même comme ça, j'ai vraiment eu aucun problème, aucun souci de réseau, aucun souci avec le service client. J'ai même jamais dû les contacter, donc vraiment peanuts, que dalle. En plus, leur truc était réellement bien fait, hein. Je vous remets dans l'écran de fin la vidéo d'il y a un an où j'étais passé chez Soch. Et vraiment, si je devais les qualifier aujourd'hui, Soch, c'est tout ce qu'on attend. Voilà, c'est un truc, t'arrives, tu t'abonnes. Déjà, ça va très bien, enfin bon, peut-être des lenteurs à cause de la poste. Au départ, tu reçois ta carte SIM, tu mets ta carte SIM, tout se passe bien, ça se déroule correctement. Et ensuite, bah regarde, voilà, en plus c'est sans engagement, il me semble. Et puis, et ben voilà, grosso merdo un an après, zéro problème. J'ai jamais dû contacter le service client. C'est tout ce qu'on demande d'un opérateur, d'un FAI aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne qualité de service. Et là, là on est plutôt satisfait. Donc voilà, j'ai potentiellement pas beaucoup de choses à dire de ce fait là, du coup que j'ai jamais eu de problème. En juin, je vais devoir changer de forfait. Soit rester chez Soch, soit aller ailleurs pour avoir une promo. C'est pour ça que j'appelle Soch, hein, si ça peut être relié chez eux. Essayez de faire des promos pour les clients qui sont déjà là et les clients fidèles qui n'ont jamais eu de problème. Déjà ça, si vous êtes un petit peu réticent à faire des promotions, faites des promotions aux clients qui n'ont jamais eu de problème. Ça, ça me permettra de rester chez vous un an de plus. Et moi, ça me dérangerait pas de rester chez eux un an de plus parce que vraiment la qualité de service est là. Voilà, alors si je devais partir ailleurs, eh bien écoutez, ma foi, je ne sais pas du tout. J'étais chez Red avant d'être chez Soch, ils m'ont fait un coup de pute. Donc, j'ai potentiellement pas vraiment envie d'y retourner. Pourquoi pas essayer Free, mais le problème, c'est que au niveau du service client, eux, chez Free, Il y a pratiquement personne. C'est peut-être pas cher ou des trucs comme ça, mais et puis les avis sur Free que j'entends, c'est pas terrible. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra. Je vous referai une vidéo le jour où, voilà, où je change. Où, voilà. Ce que je compte faire à chaque fois, c'est garder mon numéro quand même, parce que bon, changer de numéro à chaque fois, merci beaucoup. Il faut resynchroniser tous tes contacts. Il faut dire à tout le monde que t'as changé de numéro. C'est un bordel pas possible. Et j'ai pas envie de me taper un 07 là, comme les bébés. Là. Enfin voilà. Donc je suis convaincu par Soch. Si je peux rester chez eux, c'est bien, mais par contre le problème c'est qu'ils sont un petit peu chers épicés, c'est Orange là derrière. J'ai envie de garder un gros forfait comme ici, là en plus les forfaits 40Go ont été augmentés à 50, donc du coup j'ai 50Go mais toujours pour le même prix, ça fait réellement plaisir. Donc des gros forfaits comme ça, moi c'est ça qu'il me faut, je suis vraiment énergivore en data, je suis un datavore, il me faut des gros forfaits. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'aider à trouver un forfait, n'hésitez pas dans les commentaires, ou même... me conseiller des opérateurs si vous les trouvez bien. Allez-y dans les commentaires, hein, je prends tous les avis. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi. Potentiellement c'était juste pour vous donner mon avis. Si vous voulez aller chez Soch, allez-y. S'ils refont des petites promos, profitez-en parce que vous voyez, même en ayant des promos, la qualité de service elle est là. Puis ma foi, passez une agréable journée. Profitez du soleil si vous en avez, profitez de la pluie si vous en avez, parce que la pluie, quand il y a tout le temps du soleil, on n'en a pas souvent, donc par définition. C'est chou, je suis en train de m'embarquer dans un truc. Je vous laisse, kiffez la life, des bisous. Ciao.